Je vais rater mon feuilleton préféré, alors que justement, ça devenait excitant. Je t'avais dit de ne pas y toucher, ami. Mais j'ai rien fait. J'ai frappé le téléviseur, c'est tout. Ah non! Ça t'amuse de faire ça? Kérim, tu as identifié le problème? J'essaie. C'est sûrement l'antenne qui est naze. Mes sirops ont bouilli, ça y est. Ah, quand ils seront froids, je les mettrai au frigo. Mouah. Tu as terminé? Non, non, n'éteins pas. Je vais faire le repassage de Kérim. C'est à elle de le faire. Elle est gonflée de dire qu'elle a fini. Elle, alors, elle ne fera jamais une bonne épouse pour qui que ce soit. Ah, c'est réparé, Mokadès, regarde. Mais comment ça, réparer? Je ne vois toujours rien. Ce poste de télévision est nul. On devrait en acheter un autre. Papa l'a réparé. Bientôt, fiston, bientôt. En tout cas, Kérim est un bricoleur hors pair. Kérim et papa, ils ont réparé la télévision. Bon, mets-moi mon feuilleton, allez, s'il te plaît. Oui, oui, tout de suite, c'est... Ah, c'est bizarre, mais ça ne revient pas. Donne-moi ça, donne-moi ça. Tu ne sers à rien, toi. Oh. Ah, voilà, c'est réparé. Ah, c'est quoi, ce truc-là? Quel truc? C'est quelque chose dans la poche. Je l'ai lavé, mais on dirait que c'est pris dans la couture. Et c'est quoi? On va voir. Ah, ah. C'est une broderie de Fatma Gül. Qu'est-ce que ça fait dans ta poche? Ben, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Qui est-ce qui l'a mise là? Je l'ai ramassé dans le jardin et je l'ai oublié. Tu l'as caché plutôt. Il l'a caché. On peut en déduire ce qu'on veut, hein? En déduire ce qu'on veut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Kérim! Bonsoir, Kérim. Bonsoir, Emre. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas partir, c'est ça? J'étudie la chose. Assieds-toi. Non, je vais me coucher. Je suis très fatiguée. Bonne nuit, Kérim. Oui, bonne nuit. Thank you.